Le saint du jour, aujourd'hui 31 mai, la visitation de la Vierge Marie. C'est donc une fête que nous célébrons aujourd'hui, la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Lors de l'Annonciation, Marie avait appris que celle-ci était enceinte. « Voici, lui avait dit l'envoyé de Dieu, que ta parente Élisabeth vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse et elle en est à son 6e mois, elle que l'on appelait la stérile. » Aussitôt, Marie se rend en hâte dans la ville où se trouvait la maison de Zacharie et de sa femme, parents du futur Jean le Baptiste. Dans la tradition chrétienne, on parle du mystère de la visitation. En quoi ce récit très simple de la visite de Marie à sa cousine constitue-t-il un mystère de la foi? Eh bien, il nous faut élargir le sens habituel de ce mot. Tout d'abord, dans cette scène apparemment banale, baigne en fait une atmosphère surnaturelle et mystérieuse. C'est la présence de l'Esprit-Saint que Luc mentionne avec insistance et qui débanalise tous les thèmes sur lesquels on peut méditer à partir de ce texte. La visite de Marie n'est pas une simple visite de courtoisie. Elle relève d'une charité particulière, inséparable de la foi, animée d'un élan incomparable. Un père de l'Église, saint Ambroise, a écrit « L'aspérité des montagnes n'arrête pas le zèle de la Vierge, ni la longueur du chemin, tellement elle est désireuse de rendre service. » La démarche de Marie dit aussi tout le mystère rédempteur et son incroyable humilité. Il faut remarquer, ajoute le même auteur, que c'est le supérieur qui vient à l'inférieur pour que l'inférieur soit secouru. Marie vient à Élisabeth et le Christ à Jean. Le texte de la Visitation nous donne également une image parfaite de la joie chrétienne. Ces deux femmes, inspirées bien sûr par l'Esprit, nous révèlent l'une combien elle est heureuse de la joie de Marie et combien Marie est heureuse de la joie d'Élisabeth. La joie véritable est inséparable de la charité. Si on la cherche aux dépens du bonheur des autres, elle relève de la caricature. Et elle est encore bien imparfaite si l'on ne cherche pas à la partager.